13 décembre, journée mondiale de la raclette. Léo Potiron, vous êtes fromager pour la COP du Val d'Arly. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc dans cette journée spéciale. Grâce à vous, on est en pleine dégustation. Toute l'équipe de Radio Mont-Blanc se régale depuis 8h30 avec ce fromage qui est juste exceptionnel, d'une très belle et d'une très bonne qualité. Merci pour ce beau cadeau. Je voudrais qu'on profite de votre présence pour parler de cet IGP fromage de raclette de Savoie. C'est l'occasion de prendre des nouvelles de votre profession. Comment se porte le métier de fromager pour commencer ? Ben écoutez, le métier de fromager, c'est... Comment dire ? Bon, déjà, il faut quand même être assez passionné parce que c'est quand même des horaires assez difficiles. Enfin, en tout cas, nous, chez nous, on a des horaires quand même qui sont assez, assez durs, c'est-à-dire qu'il faut... C'est exigeant. Voilà, c'est ça. Parce que aussi, il y a un cahier des charges à respecter quand même, à la fabrication. Et puis, c'est le matin, c'est arriver à 3h moins le quart, 3h du matin. Après, pour la mise en cuve, la mise en lait en cuve. Et après, voilà, il y a tout le processus de la fabrication qui suit du coup son cours durant la journée. Voilà. Alors justement, le fromage de raclette, comment il se prépare, comment il se fabrique? Amenez-nous dans les coulisses de votre métier, s'il vous plaît, Léo. Alors la raclette, c'est une pâte pressée non cuite. Oui. Donc du coup, y a la mise du lait en cuve. Ensuite, bon, il y a la fermentation du lait. Ensuite, il y a l'empressurage. C'est là que ça va être le niveau du décaillage, c'est-à-dire qu'on va venir couper. On va venir gélifier avec la présure. Ensuite, on va venir découper ce gel qui va donner le caillé, hein, simplement. Et ensuite, il y a tout un processus de brassage. Il y a aussi un délactosage, c'est-à-dire qu'on vient enlever du petit lait pour rajouter de l'eau. Et c'est là qu'on va venir aussi chauffer, en fait. Au niveau des cahiers des charges, on nous le demande, donc on n'a pas le choix. Et ensuite, après, il y a le moulage, tout simplement. On va venir mettre le cahier, en fait, dans un bac de pré-pressage. Et c'est là qu'on va venir presser. C'est environ 15 minutes. Et ensuite, il y a la mise en moule. On va venir couper en carré. Ouais. On va venir couper en carré cette tome fraîche, on va dire. Et ensuite, en moule, et par la suite, c'est mis sous presse. Alors, est-ce que à la maison, si j'ai du lait, je peux faire moi-même mon fromage, ma tome de raclette ou... La raclette, je ne sais pas, mais un fromage, oui, forcément. Ah bah moi, ce qui m'intéresse, c'est la raclette, c'est la journée mondiale de la raclette. Bien sûr, mais alors la raclette, je pense que ça risque d'être un peu quand même compliqué. C'est combien de temps un temps d'affinage pour une... Alors la raclette, c'est minimum 60 jours. Ah oui, ok. Voilà. Okay. C'est le minimum, hein, bien sûr. Après, à 60 jours... c'est surtout au niveau du goût, quoi. Ouais. Qu'on veut, hein, quoi, tout simplement. Bah, sinon, oui, c'est 60 jours minimum. Ouais. Et ce fromage, il a une particularité, c'est quand on le fait cuire, il rend pas de gras. C'est la particularité de la raclette. Enfin, il est plein de gras. Mais je veux dire par là, il ne huile pas, il n'y a pas d'excédent de gras dans la coupelle ou quand on est sur l'appareil. Pourquoi ? Alors aussi, il y a tout ce qui est ce processus, on est obligé d'écrémer. On écrème une partie du lait. Okay. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a un petit peu moins d'huile, on va dire. Ça vient surtout de ça, quoi. Parce que vu que le lait, il est un petit peu... Ça veut dire quoi? Que le fromage à raclette, il est peut-être plus léger qu'un autre fromage? Si on devait prendre en matière... On peut dire ça, on peut dire qu'il est légèrement plus léger, mais ça reste quand même... Vous auriez mieux fait de pas me dire ça. Ça reste quand même assez, assez gras quand même. Non. Non. Ouais. Non, mais ça vient surtout de ça, c'est qu'on écrème, donc forcément on enlève un peu de matière grasse dans le lait, et forcément derrière, il y a un petit peu moins de gras. Est-ce qu'il existe un millésime, comme pour le vin, lorsque l'on parle du fromage de raclette? Non, chaque fromage est toujours le même, quel que soit l'atome d'une tome à l'autre, on retrouvera le même goût, la même façon de faire. Je pense que ça change. Après, moi, je suis pas un expert là-dedans, mais je pense que oui, potentiellement. Après, ça dépend si la personne elle boit si on accompagne le fromage avec du blanc, du rouge. Je parle pas de ça. Je parle de l'atome en elle-même. L'atome, elle a un millésime particulier, comme peut l'avoir le vin, Est-ce qu'on peut se dire que là, on est sur une bonne mouture ou pas? C'est vrai qu'il y a ça n'existe pas. Non, mais si ça n'existe pas, faut dire. On va pas l'avancer. Je ne sais pas. Je
Je ne pense pas, mais après... Non, c'est vrai que le vin, oui, ça existe, mais pour le fromage, je n'ai pas le... J'ai pas le sentiment que ça... Après, voilà, le fromage, ça se mange... Ça se mange et c'est tout. Surtout dans cette raclette. Ça se déguste aussi, bien sûr. Ça se mange, ça se déguste. On va parler des différentes variétés de fromage dans la suite, évidemment, de la matinale des Super Lepto. Émission spéciale autour de la raclette en cette journée mondiale de la raclette sur Radio Mont Blanc et radiomontblanc.fr. Bah, tu m'étonnes. Ah, bah oui, nous, on mange pendant la pub de ce bon fromage de raclette. Apporté par la COP du Val d'Arly, Léo Potiron, fromager, qui représente la COP du Val d'Arly. Merci évidemment d'avoir accepté l'invitation pour cette journée mondiale de la raclette. Léo, il y a plusieurs types de fromages qui nous ont été apportés sur le plateau, qui est visible sur radiomontblanc.fr. Il y a le fromage traditionnel, et puis parfois, vous agrémentez de petites choses en plus. C'est quoi ces petites choses que vous mettez en plus ? Simplement, en fait, on va venir aromatiser un peu le fromage. Et ça se fait à quelle étape, ça ? Au moment du... Alors, ça... Nous, je sais que vu que c'est... Enfin, chez nous, en tout cas, on fait, c'est vraiment de la raclette naturelle. Enfin, nous, en tout cas, on fait le processus de fabrication. C'est pas à ce moment-là, hein, c'est sûr. Mais après, il y a la raclette fumée, c'est après la fabrication. Déjà, au moins la raclette fumée. Après, tout ce qui est raclette comment dire, aromatisé avec des herbes, tout ça. Alors, je pense que ça se fait au moment de la fabrication, parce qu'on le voit au niveau de la pâte. Donc, voilà. Après, nous, chez nous, en tout cas, nous, on fait de la raclette. Il existe combien de variétés de raclette recensées Je n'ai pas de chiffres, mais je pense beaucoup, parce qu'on peut venir, on peut faire un peu ce qu'on veut, quoi. Ouais. Après, est-ce que ça... On dérive peut-être après un petit peu, quoi. Je ne sais pas. Les conseils du fromager. Moi, j'aime bien tout savoir, vous savez, rien payer. Je continue de manger. Hein. Allez-y. Moi, je me fais plaisir. Régalez-vous. On est debout depuis 4 heures du matin. C'est aujourd'hui ou jamais. Normalement, on n'a pas le droit de manger dans le studio, il faut le savoir. C'est exceptionnel. On n'a pas le droit de boire non plus. Et quand on vient faire une matinale, on est là, on nous presse. Là, j'en profite. Et en plus, on se régale parce que le fromage, il est bon. C'est quoi la meilleure façon de manger de la raclette ? C'est de la charcuterie, c'est de la pomme de terre, c'est les deux à la fois. C'est quoi le secret d'une raclette réussie ? Et là, je veux les conseils de l'expert, le fromager. Bon, une raclette réussie, on va dire que c'est quand même un fromage crémeux, hein, déjà, crémeux, du coup, qui font bien. Mais pour accompagner, c'est tout. On va dire c'est quand même, oui, la base, c'est quand même la pomme de terre. Après, de la raclette, on peut très bien aussi en manger sans être fondue, forcément. On peut la manger aussi nature, comme ça. Moi, je l'aime beaucoup crue. Oui, c'est très bon aussi, hein, ça se mange très bien, ça se marie bien avec un morceau de pain, par exemple. Hein. La charcuterie, évidemment, hein, c'est quand même... en tout cas, en France, c'est vraiment la base, hein, avec les pommes de terre. Après... Léo Potiron. Crémeux, quoi. Bah, elle est très bonne, là. La croûte, il y a la team qui enlève la croûte et il y a la team qui garde la croûte. Qu'est-ce qu'on fait ? On est team croûte ou pas team croûte ? Moi, je sais que je garde la croûte. Après... Est-ce que ça peut donner un mauvais goût Ou est-ce que ça peut sublimer le goût encore? On ne sait pas trop. Moi, je vais vous dire, je suis team à enlever la croûte, mais vous savez pourquoi je le fais? Je le fais parce que bon, moi, j'ai des petits soucis, j'aime bien quand c'est esthétique. Là, voilà. Mais c'est surtout que c'est ce petit moment où, pendant que je mets ma petite coupelle, quand je suis en mode coupelle, eh ben, je peux manger mon petit fromage cru comme ça. C'est mon truc à moi, ça, par exemple. Ça peut être... Une bonne raison. Mais je sais pas si effectivement ça enlève du goût, si ça en rajoute, en tout cas ça fait un... Oh, je pense qu'on peut faire les deux, hein. Garder la croûte ou l'enlever. Voilà, il n'y a pas de... Chacun fait comme il... Un mot sur la COP du Val d'Arly. Vous êtes le représentant aujourd'hui. Il y a la possibilité de venir directement dans les différentes boutiques, évidemment, pour acheter n'importe quel type de fromage, dont le fromage à raclette. Mais il y a aussi, depuis peu, et je pense notamment à Cluse, il y a ce distributeur automatique. Ça, c'est pour les férus de raclette qui se disent, tiens, il est minuit, on rentre de soirée, et si on se faisait une raclette, c'est tout à fait possible. C'est quelque chose d'assez nouveau et novateur. Effectivement, c'est assez nouveau. Enfin, comment dire, ça fait très peu de temps, je crois, qu'il a été mis en place. Après, bon, est-ce que on va, je sais, enfin, ça reste, non, quand même... ça reste une super initiative et ça reste. Ça un reste super une bonne initiative, mais est-ce que dans le temps, après, oui, c'est sûr que quelqu'un qui a besoin de fromage, je sais pas, tard le soir ou la nuit, bah, il peut venir se servir. Après, oui, c'est quand même une bonne initiative, mais...
Excellente initiative. Oui, oui, bon, pour vous peut-être. Ah oui, oui, féru de raclette que je suis, trouve que c'est une excellente initiative. Léo Potiron, il fait très chaud dans ce studio, j'ai l'impression d'être dans un sauna. J'ai jamais eu aussi chaud, il y a la clim. Alors imaginez, c'est l'appareil à raclette, il chaud. Vous pouvez voir toutes les images sur radiomontblanc.fr. C'est la journée mondiale de la raclette, évidemment avec la fruitière coopérative du Val d'Arly. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc, de vous avoir un peu pressé aujourd'hui par le Merci. Temps. Mais vous revenez quand vous voulez, Léo. Eh bien, écoutez, avec plaisir. On continue évidemment cette journée spéciale.